Satisfait de faire un podium à la maison, ça fait énormément plaisir. En plus, mon premier podium en championnat de France, je l'attendais. L'année dernière, il y avait eu quelques opportunités, mais il y a eu toujours des petits soucis, soit mécaniques ou des petites erreurs de ma part. Et cette année, au Vosgien, on est sur le podium, en plus avec Sébastien Loeb. Donc c'est vraiment que du bonheur. Tu as roulé prudemment ? Oui, j'ai roulé vraiment avec ma tête. J'ai perdu du temps dans la première spéciale où j'ai fait un petit tête à queue et j'ai calé. J'ai grappillé les secondes petit à petit. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. À la maison, on dit que c'est toujours plus facile, mais c'est quand même compliqué parce qu'on connaît mieux qu'un autre allié et on veut toujours en rajouter. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Samedi, hein, il a fallu faire avec la pluie, forcément. Oui, samedi, il a fallu faire avec la pluie. J'avais un choix de pneus peut-être un peu trop tendre, mais dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. Bon, au classement, tu grappilles des places, forcément, le week-end est satisfaisant. Oui, on grappille des places. Maintenant, on se retrouve 5e au championnat de France. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Les manches qui suivent... C'est des manches que j'apprécie. Là, on va se diriger vers le Rouergue. Donc, j'ai hâte. Bon, il y a eu des aléas, hein. Quentin Gilbert, notamment, sorti de route. Tu t'en sors bien parce que fallait pas prendre sûr, trop de risques. Ouais, quand j'ai vu, j'ai vraiment été déçu pour lui parce que c'est quand même vraiment une personne que j'aime bien. Même si on se côtoie pas toutes les semaines, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'espère qu'il reviendra vite. Rossel était vraiment le plus fort. Rossel est vraiment vite et régulier sur l'ensemble des manches du championnat de France. Après, ce matin dans la Vologne, j'ai laissé pas mal de secondes. Je me sentais pas avec la voiture, du coup j'ai préféré relever le pied. J'ai fait un scratch en R5 dans Corsieux, on est revenu à l'assistance, on a fait des réglages. Dans la Vologne, que je me sentais pas bien le matin, j'ai fait un excellent temps, mais ça n'a pas suffi, on finit avec 18 secondes de retard. Deuxième des R5 quand même, c'est à la hauteur de tes espérances. Oui, deuxième c'est vraiment formidable. De toute façon, on venait pour faire un podium, après ça limitait la place, il n'y avait plus que... au final on avait raison, ça a payé. Qui termine premier, R5? Rossel, Johan Rossel.